bien, re-salut tout le monde, c'est toujours XVS Couille, toujours sur AC Sandy Couille, hein, donc voilà. On s'est laissé après avoir découvert que la connasse qu'on a aidée était une salope de Templière. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va aller lui percer les boobs. Parce que oui, moi je suis comme ça, je suis hardcore, je suis trop hardcore, voyez. Monsieur, je suis plein? Hein? Je suis pas plein? D'accord, je suis plein. Si vous changez d'avis, revenez me voir. Non, je reviendrai pas te voir, c'est mort. Bon, vous là, monsieur, donnez-moi votre chariote, c'est pour le bien de l'humanité. Continue. Allez, recule. Allez, GTA style. Oh ouais, bam. Oh ouais, je casse tout. Ah ouais, j'ai tout cassé, vas-y, bam. Ah ouais, je casse tout, ouais. D'ailleurs, regardez, la destruction gratuite, là, il y a un truc carrément pour ça. Parce que je rentre sur des gens et tout, mais... Ah ouais, de l'XP juste pour ça. Casse-toi, gamin. Putain, 75 quand même, faut en faire, hein. Ça fait rire. C'est en haut. C'est en haut. Et hop. Nous y voilà. Tenue de Lady Méline. Oh. Merde, j'ai lancé la mauvaise mission, c'est la Kevy. Que tous les autres. De... Alors comme ça, les indices que tu as trouvés chez Kenway conduisent au monument. Ta sagacité m'étonnera toujours. Tu ne sais poser que des questions stupides. J'ai pensé qu'en l'absence d'Henry, tu aimerais un peu de compagnie. Je n'ai pas besoin de compagnie. Et je te signale que Monsieur Green enquête de son côté. Oh oui, Monsieur Green. Quelle idée fascinante. Oh, je vous en prie, Monsieur Green, jetez un œil à ce livre et mettez-vous ici, tout près de moi, Monsieur Green. Pas du tout. De sombres masures. D'accord, tu n'as peut-être rien de mieux à faire, mais moi je défends la confrérie. En es-tu sûr? Que disait notre père déjà? Ne laisse pas tes sentiments mettre en danger la mission. Exactement. Il se fait tard, je dois partir. Si j'ai une autre idée pour te faire perdre ton temps, je te ferai signe. Et moi je saurai profiter de ton absence. Envers nos invités. Hop hop hop. Ouh là là, la masse de points à mettre. Discrétion de... Les risques vont être détectés, les assassinats sont presque silencieux. Excellent ça. Tada! C'est quoi là? C'est quoi ce machin là? Ma discrétion, elle vit presque lorsque la CD se place pas. Ah ouais, d'accord. On peut carrément se stopper devant un garde. Putain, c'est pété ça. Craquer du slip. Ah oui, d'ailleurs. Attendez un instant, parce que dans l'inventaire... Oh, il me casse les couilles. Eh, vous devez être anonyme au sol, hein. Remplacé par des logis plus sûrs et plus sains. Plus humains. Moins sujets aux foyers ouverts. Hein. Partons, nous avons du travail. Quelle grossière ingratitude! Tenez-vous! Et moi je le vis, lui. Vas-y! Si je vais dans le truc, est-ce qu'on va me spotter? Ah ouais, on va me spotter. Bon, c'est pas grave. Et hop! Oh! Oh! Ah mais ils sont niveau 7 quand même. Eh merde. C'est pas grave, j'ai la vie.
Allez hop, on va tous les flaguer les flics. Ouais, j'adore la meuf, elle est là, en train de faire son petit speech et tout. Oh, je suis en train de taper les gardes à côté. Oh, 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 monsieur, on se calme là. Toi, t'as qui l'autre, il va vite fait. Ton tour. Allez mais die. Putain, j'aurais dû lui mettre le cul cri, il fait chier. Merde, fait chier. Putain mais t'as une de ces barres de vie mon vieux. Bon, t'es mort. Bon. En fait, je suis sûr qu'il y avait un truc en bas pour passer. Putain, c'était ça en plus. Putain. Putain, j'aurais eu Jacob, je les aurais tous éclatés, mais avec Evie, il laisse tomber quoi. Elle est faible. Ça me dit quelque chose. Effectuer un saut de la foi à partir d'une tyrolienne. Oh, rien à foutre. Ça va juste donner des thunes. Hein. C'est pas tip top. Par contre, il y a un vendeur en bas. Là, lui m'intéresse parce que j'ai claqué pas mal de potions de soins. Pas mal de stuff aussi pour pouvoir survivre à cet affrontement. T'as 30 coups. Ah oui, c'est vrai! Putain, Evie, elle excelle pour les couteaux, j'avais oublié ça. Et juste top top. Tapidi pop, tapidi pop, tapidi pop, 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 pop. Bonjour monsieur, vous allez bien? Sortez s'il vous plaît. Cette chariote m'appartient maintenant. Allez, on casse tout. On peut être hardcore. En fait, c'est juste de se mettre sur le trottoir, c'est bon. Hop là, voilà. Voilà, vous avez la technique parfaite pour pouvoir faire de la destruction gratuite. Voilà, parce que là, je vais me tôler comme une grosse merde. Ta gueule, cheval. Donc, c'est ici. Tous les coups, c'est en haut. Donc, trouver le secret de la cathédrale Saint-Pierre. À tous les coups, c'est en haut. Et j'y vois mal mettre ça en bas, en fait. Mieh! Mieh! Ça me rend dingue quand je fais ça. Ah! Oh là, j'ai trouvé. Bah, dis donc, ce fut dur, hein! Ah, une énigme.
là, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là non plus. Ah, si, c'est peut-être celui-là. Ah, non, c'est pas celui-là. Quoique. Merde. Non, c'est bon ça. Allez. Easy as fuck. C'est tout en haut. Faudra quand même expliquer comment on l'a fait pour entendre un truc qui venait d'aussi loin. Je dis ça, je dis rien. Ça va, attendez. Je suis furtif. Ah, par contre, j'avoue que c'est pété pour l'infiltration. Il est obligé de faire ses... On dirait une vache. Elle va le faire tout le temps en plus, hein. Allez, vas-y, Evie. Ah, y'a un coffre dans le coin. J'entends un coffre. Y'a appel du crochetage. Ah ouais, mais je suis pas niveau 3 sur celui-là, ça va passer. Ah, c'est bon. Les gens dans... Parure... De quoi? J'ai pas le temps de lire. C'est où? C'est ici? Non, c'est en haut. C'est encore en haut, il me semble. Peut-être pas, attendez. Ah non, c'était en bas, fais chier. Alors... C'est ici! La clé de la crypte et du sueur. Je crois que ceci m'appartient, Miss Fry. Donnez-le-moi. Vous le voulez pour asseoir votre pouvoir, mais saurez-vous le contrôler? Et pourquoi vouloir le sueur? Simplement pour en priver les Templiers. C'est typique des assassins. Détenir le pouvoir de la vie éternelle et avoir peur de s'en servir. La vie éternelle, vous croyez que c'est le secret du sueur? Ce que je crois ne vous concerne en rien. Alors, ma coconne? Bah alors, c'est pas se défendre! Oh, il y avait un truc pour vous faire contrer toutes ces attaques! Vous venez avec moi? J'ai d'autres projets. Bon sang! Ah là, je suis désolé, c'est un peu de ta faute, ma fille, hein. Je suis vraiment désolé, mais là, t'as merdé, hein. T'avais l'occasion de la flinguer, et toi, tu l'as laissé s'échapper. T'avais juste à lui mettre un petit coup dans la tronche, et c'était terminé, et non, t'as tout laissé passer.
Bon, du coup, je sais pas où je vais. La dame à la lanterne. Efficacité de remède. Ça, ça donne quoi? Bombe voltaïque. Ça, ça doit être électrique, en gros. Donc, j'ai pas d'autre objectif dans le coin. Parce que là, je vois un objectif dans le... dans le train, donc ça me paraît bizarre. Ça me paraît franchement bizarre. Bizarre, vous avez dit bizarre? Ah ouais, c'était bizarre. C'était bizarre. Oula, ça a été vachement vite pour se taper dans le train, dis donc. Pas compris. Je n'ai pas compris. Mon enfant, j'ai pas compris. On dirait que Jacob a reçu du courrier. C'est un courrier ou quoi, là? Bon, déjà j'aimerais bien voir cette tenue là. C'est elle qui c'est pour elle ou c'est pour Jacob? C'est pour elle. Ah ouais, c'est pas trop mal. J'aime bien. Les bombes fumigènes de 2. Oh putain, mais c'est. Oh, mais c'est craqué sa tenue, sérieux. J'ai une nouvelle cape aussi. Elle est où? Elle est là. Oui, hier. Oh yeah. On a des nouvelles couleurs ou pas? Non, toujours les mêmes. Dommage. Bon, du coup c'est quoi cette mission là? C'est vrai qu'il nous la donne ou bien... Ça me dit qu'il y a une mission là. Elle est où? Pourquoi ça me dit qu'il y a une mission qu'on n'a pas quoi? Celui qui l'a. Non, il est pas là. Je sais pas si où. Il est là. Non. Bah, et où la mission? Ça, c'est les souvenirs, on s'en branle. Ça, c'est la carte des gangs. Attendez, vous êtes en train de me dire que. Encore. Ça va, on mange bien, on profite bien. Bon ben, je sais pas, je vois pas la mission dans le train, je comprends pas. Bon, on va aller là-bas. Enfin, Marc, il n'y aura peut-être pas trop de vidéos. Enfin, je sais pas. Ça dépendra où est-ce qu'on arrive, si on arrive dans des zones où est-ce qu'il y a... Oula, oh putain, en fait en blanc c'est vachement moche. C'est très laid en blanc. Je suis un top modèle, je suis un top modèle. Recevez des XP en débloquant des atouts, en résolvant des événements publics et en menant des missions ou des activités. Waouh. Comment elle court là? C'était pas joli hein. Ah oui, il faut que je change son arme. Ah merde, je suis en l'air. Oui. Et t'as du dos détruit. Franchement, si son dos n'est pas détruit après ça, il y a un problème. Alors les armes. Putain, parce que je suis encore une vieille. Il y a qu'une vieille arme de merde là. Alors qu'elle est niveau 6. Voilà, on devrait le faire comme ça. Bon. Allons faire la dame à la lanterne. J'ai combien de soins sur moi? 5 ça. Ah c'est où? J'ai pas compris là. On va aller chez elle la tuer carrément. Miss Fry, quelle agréable surprise. Bonjour Clara, je viens voir comment va Lambuzz depuis la fermeture de l'asile. Qu'est-ce qui t'amène ? Les enfants dont je m'occupe sont malades. Nos toniques habituelles sont sans effet. Je suis venue...
Es-tu certaine que tu te sens bien ? Bien sûr, je vais bien, Miss. Clara ? Y a-t-il un docteur par ici ? Faites-la entrer. Elle s'est évanouie. Elle a dit que les autres avaient pris des toniques, mais sans résultat. Ça, je m'en doute. Depuis le meurtre d'Eliotson, le quartier est envahi par des toniques de contrefaçon. Elle a besoin de soins. Mais sans les médicaments adéquats, son état risque de vite se détériorer. Que vous faut-il ? J'ai besoin de matériel. Et beaucoup. Ainsi que des remèdes. Certains des ingrédients les plus rares sont volés pour être vendus aux enchères. Je peux vous aider. Voici la liste. Miss Fry. Evie Fry. Miss Nightingale. Enchantée. Faites vite. Le temps joue contre nous. Minute. Allez. Faut aller sauver la gamine. Vite. Monsieur, qu'est-ce que vous faites sur la route? Ok. Ça aura pas été difficile de le voler, lui c'est pas mal. Vite! Faut sauver les enfants! Oh vas-y quoi, y'a des mecs qui m'ont spoté derrière. Plus vite! J'adore fouetter les chevaux! J'adore fouetter les chevaux! Ah merde, c'est mieux. Non, c'est pour celui qui paye le plus cher. Que quelqu'un me vienne! Ah! Merci infiniment. Ces produits sont pour Miss Nightingale. Je suis venu les chercher. Ils sont déjà sur le chariot. Emportez-les. Ouais, je suis sûr qu'on va se... Ce chariot-là? Oui. Évidemment. Soyez prudente. Certains de ces objets sont fragiles. T'inquiète pas, j'ai un flingue. J'ai des couteaux du moins. Ah non, j'ai un flingue, ça va. Faire remarque, il suffit juste que je chauffe sur son chariot et puis c'est bon quoi. Bon, on a 4 minutes. Oh non, vous savez quoi, on va flinguer ça. Ça marche mieux de tirer sur les champs. Non! Non! Non!
Putain, quoi. Oh, cette maîtrise. Oh, bah, je suis à côté de l'eau. Attention, Clara mourra si vous rejoignez pas l'asile. Attends, mais putain, j'ai tout dans le truc à l'arrière, là. C'est bon. T'as faire chier, quoi. J'ai tous les ingrédients qu'il faut et je suis 3 minutes en avance, là. Dude. Vous revoilà. Il était grand temps, ma foi. J'espère que vous avez apporté ces médicaments. Comment va-t-elle? Elle se remettra. Allez, les enfants. Grâce à vous, nous pourrons distribuer de vrais remèdes. Mais cela suffira-t-il à l'avenir? Je vais réclamer la mise en place d'une réglementation. Lambus vous doit beaucoup. Il faut du temps pour changer les choses. Mais je compte bien m'y atteler, Miss Fry. Il ne reste plus que le B là. Attendez, est-ce que je peux changer avec Jacob? Parce que Evie, c'est marrant en instant, mais je préfère Jacob perso. Ouais, je suis comme ça, moi. Je préfère Jacob. Il a plus de swag que Evie, sérieux. Evie, elle casse-couille. Ouais, le credo, gna gna gna. Ouais, le credo, gna gna gna. Des assassins, des fragments des dents, gna gna gna. La cuisine! Non, je suis pas sexy, c'est faux. On voit que Jacob a quand même plus de classe avec son petit chapeau. Alors regardez-le comment il est mignon là, avec son petit chapeau. Oh. Et puis l'infiltration c'est bien, mais tu tapais dans la gueule des gens, c'est mieux. Je suis pas pour vous. Oh, allez. Allez. Bon, j'espère que je peux faire le B avec Jacob et que c'est pas une mission forcément réservée à quelqu'un. Combien de mètres? 100? On va faire ça à pied, je pense. Oui, large même. Salut le corbeau, ça roule? La famille, tout ça. C'est quoi ce bruit? Allez, on y va. Ah voilà. Oh non, tout d'un coup ça va être... Ah non. Jacob, Evie, c'est vous. Dieu merci. Seriez-vous en pleine expérience, Alec ? Exact. Ça a l'air plutôt ébouriffant. Pardon. C'est à cause de ces rustres que Starik ne cesse d'envoyer pour m'acheter. Il m'a proposé une somme absolument effarante. Alec, tu ne comptes pas quitter le navire, quand même ? Jamais. J'ai conçu cette petite chose, au cas où il se ferait trop pressant. Elle étourdira un assaillant, si besoin est. Vous croyez que ça va marcher ? Je n'en sais rien. J'en ai fabriqué trois avec, entre autres, différents degrés d'acidité. L'une d'elles devrait marcher. Allons les essayer sur des hommes de Starik, alors. À propos de Starik, il propage toujours de fausses informations. Nous pourrions détruire ses émetteurs. Sa société est trop bien gardée. Ces bombes seront sans doute utiles, mais il serait dommage de fabriquer des bombes étourdissantes qui soient sans effet. Oh, attendez un peu. Je crois que l'occasion se présente d'elle-même.
Bon sang, il n'avait pas l'air si mauvais jusqu'ici. Reste en retrait, allez. Nous allons plutôt jouer à un petit jeu de linguistique. Emporter ces bombes et grimper sur le toit. Et quand je prononcerai le nom d'un condiment, lancez-en une sur ces gredins. Très bien. Oh, attendez, j'ai failli oublier. Glissez ceci dans vos bottes. Vous serez protégé de toute décharge voltaïque. Enfin, je crois. Il y a des coffres partout ici. Bonjour messieurs, je vous offrirai volontiers du thé, mais on m'attend ailleurs. Assez de politesse, on est venu réduire ton atelier en cendres, pas vrai Vaz? C'était quelque chose ici, pas vrai? Et tu t'en sers pour lire les messages de la Starik Company? Cette notion est tout aussi grotesque que l'idée que la Starik Telegraph Company diffuse des informations impartiales, monsieur. Répète ça. Les promesses de votre employeur ne sont que du vent, et ses activités vont tourner au vinaigre. C'est quoi ces histoires de vent et de vinaigre? Je me sens tout chose. C'est répugnant. Oh, mon Dieu! Ces gamins, toujours amusés par son honneur. Écoute bien, Ben, si tu veux pas te faire sonner les cloches. Oh, un jeu de mots. Votre esprit me surprend. À votre allure, je vous aurais volontiers pris pour les derniers des cornichons. Cornichon ? Je crois qu'il essaie d'être drôle. Oh ! Tu t'es encore oublié, Bill ! Mais ça pue ! Moi, Vaz ! Oh mon Dieu ! Oh, ma gorge ! Oh, oh ! Ces petits diables ont encore lancé des bombes puantes. Ça arrive tout le temps par ici. Dis-nous où il est, ce téléchose. Je compte jusqu'à 3. 3? Bien, alors, voyons jusqu'où vous irez. 1. Vous croyez vraiment que je le garderai ici? Voyez-vous un câble? Un télégraphe sans câble est aussi utile qu'une cloche sans battant. Je vais t'en donner du battant, moi. Oh, vous êtes tout rouge. Auriez-vous mangé du piment? Bravo, Alec. C'est grâce à vous, Jacob. Votre présence m'a donné un courage et une résolution qui me surprennent. Eh bien, fabrique-nous quelques autres bombes et nous irons nous occuper de la propagande de Starik, d'accord? Nous n'avons pas toute la journée. Plus longtemps nous empêcherons Starik de diffuser de fausses informations, plus nous pourrons révéler au grand public la vérité sur ses activités. Alors, qu'est-ce qu'on attend? C'est incroyable, mais ma mère m'a dit que certaines de ses voisines croyaient toujours aux vertus de ce sirop calmant. Alors j'ai pris la liberté de leur dire la vérité sur cette immonde mixture. Tu as bien fait, Alec. Mais tu ne peux pas frapper à toutes les portes. Non, surtout que je n'ai pas toujours eu bon accueil. Il est aussi difficile de porter les mensonges que d'oublier les injures des poissonnières de Billy's Gate.
Ouh, les rats d'égout. Mais si nous parvenons à éradiquer la source de ces informations mensongères, alors, petit à petit, la vérité triomphera et ces inepties disparaîtront. Nous y sommes. On ne leur fera pas de cadeau. Je vous rappelle qu'il va falloir entrer sans nous faire repérer. Moi, je les étourdis, et toi, tu entres. Je ne détruirai pas une pièce du transmetteur, mais trois. Il en sera quitte pour danser d'un pied sur l'autre devant une Vespasienne. Doudou, ma belle. Oh merde! C'est pour ça que j'avais pas de grenade! Allez, monsieur Bell! Quelle magnifique machine! Dommage qu'elle soit au service d'esprits corrompus. Et le mec là, qu'est-ce qu'il fait? On dirait qu'il dort. Bon, on entre. Allez, grouille-toi là. Monsieur Bell. Jingle bells, jingle bells. Ouais. Celle-là est un peu rétive, mais je l'ai arrachée comme un dentiste arrache une dent gâtée. Voilà. Passe à la pièce suivante, allez. Parce que c'est ici la pièce suivante. Ah mais putain. Voilà. J'adore comment j'ai assassiné ses potes devant lui, là, mais il n'avait rien à foutre. Mes chers amis, Jacob et Evie, je dois de nouveau vous remercier d'avoir défendu cette valeur qui m'est si chère. À moi et à notre cause, la liberté d'expression. C'est une chance que vous mettiez votre génie au service du bien commun, Alec. Il n'empêche, tu ferais quand même mieux de quitter ton atelier. Oh, inutile. Votre courage est devenu une véritable inspiration, sans compter que mes petites machines m'offrent toute la protection dont j'ai besoin. Si par le plus grand des hasards, vous aviez un moment de libre, passez donc me voir. Ok. Ah, il y a une nouvelle mission qui est apparue. C'est quoi? Terminus. Ah, je crois que c'est la mission où est-ce qu'on va devoir flinguer la Templière. Mais bon, on va s'arrêter ici. Ça sera pour la troisième vidéo qui arrive très bientôt. Finalement, je vais la faire vu qu'apparemment. Bah, il suffit juste d'aller là-bas en fait. Bon, allez, loulou, sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous. Prenez soin du canal. N'oubliez pas d'avoir là. Oui, attitude. Comme d'habitude, je vous trouve au cul. Vous connaissez la chanson, vous connaissez l'explication. Je vous laisse, je vais plein de poutous partout, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao bye, bouti bouti, et que l'amour du pédobus soit avec vous. Peace.